Alors là, nous sommes dans le futur pôle culturel de la ville de Gujan-Mestras. C'est une extension de la médiathèque qui va accueillir à la fois une ludothèque et le nouveau conservatoire de musique. C'est un bâtiment qui est en cours de travaux aujourd'hui. Les travaux devraient se terminer d'ici la fin de l'année. Et ce nouveau pôle culturel, qui comprendra donc à la fois la médiathèque, la ludothèque et le conservatoire de musique, sera opérationnel en janvier 2024. Alors, au niveau du conservatoire de musique, il y a 12 salles de répétition qui sont proposées. Il y a une salle aussi pour les professeurs de musique, pour le directeur du conservatoire. Voilà, avec ce nouveau bâtiment, on leur donne vraiment les moyens d'exercer leur passion dans d'excellentes conditions par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, parce qu'auparavant, ils étaient dans des Algeco. Donc là, ils sont ravis, dans quelques mois, d'intégrer ce nouveau conservatoire. Alors, il n'y a pas de climatisation sur ce bâtiment. Hein. L'architecte a beaucoup travaillé sur l'isolation, l'exposition des bâtiments. Au niveau du chauffage, nous sommes c'est une pompe à chaleur, mais il n'y a pas de climatisation, c'est une ventilation qui se fait. Et la preuve aujourd'hui, il fait très chaud à l'extérieur, et c'est vrai qu'à l'intérieur des bâtiments, c'est très très agréable, il fait très bon.